Assumer ses cheveux gris, ça n'a pas été évident parce que j'ai les cheveux poivre et sel depuis que j'ai 34 ans ou quelque chose comme ça. Et puis en 2011, j'ai dit j'en ai marre. Ça n'a pas été évident, je crois que c'était la première fois que je pleurais chez le coiffeur. C'est simple quoi, c'est la nature. Puis ça passe beaucoup mieux maintenant dans le regard des autres. Non, je suis une dingue de chaussures, c'est honteux même. Moi maintenant, parce que quand on fait de l'humanitaire, du coup, quand on revient en France, on se dit mais tout est tellement superficiel. Mais les chaussures, en plus, on n'est jamais déçu. Tu mets des chaussures, il y a ta pointure. Tandis qu'un vêtement, tu te vois dans la glace. Oh non, c'est... Non, j'en ai pas une quantité énorme, j'en avoir une soixantaine. Si, c'est beaucoup. Je pars plus maintenant avec des missions humanitaires, des assos voilà, locales. La dernière fois, c'était au Togo. Alors, c'est pas touristique, mais c'est extraordinaire, ça n'a rien à voir. C'est vraiment dans la culture du pays et je repartirai plus du tout d'une autre façon maintenant parce que c'est fantastique. Et puis, on est utile.